Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Je voulais partager sur cette chaîne les photos de Meghan Markle. Ce sont de nouvelles photos, mais par rapport à un événement auquel s'est rendue il y a de cela 2 mois déjà, c'est en avril, lors des Jeux Invictus. Donc, si vous vous souvenez, en avril dernier, il y avait les Jeux Invictus, jeux auxquels participaient plusieurs personnes, d'anciens combattants, des jeux qui ont été créés par le prince Harry. Il était justement la personne à l'honneur à ce moment-là. Il était venu accompagné de sa femme Meghan Markle. Meghan, la duchesse de Sussex, a été vraiment un succès incroyable. Le couple vraiment était de retour sur la scène et une scène publique. Ils étaient accueillis par leurs fans et par les médias tout entiers qui étaient fascinés par eux. Alors que Harry était occupé à s'assurer du bon déroulement des jeux, Meghan Markle faisait des visites dans des organisations. Elle est allée rendre visite à une organisation qui s'occupe des jeunes filles en difficulté et qui leur propose des séances de coaching, des séances de formation. Et justement, Meghan Markle, la duchesse, a assisté à ces séances-là. Et c'est ces photos qui ont été aujourd'hui publiées sur le site de l'association en question. Donc, je voulais partager ces photos avec vous. Elles sont superbes. La duchesse est vraiment superbe sur ces photos-là. Vraiment, Meghan Markle a un très, très beau visage. Ça, c'est pour les fans de Meghan sur cette chaîne-ci. Je l'ai déjà partagé sur la chaîne qui est dédiée au couple Sussex. Donc, ça me fait plaisir de partager ça avec vous ici. Voilà, il n'y a rien à dire. Elle est très jolie. Il faut dire que l'indépendance féminine, la condition des femmes et les droits des femmes sont des sujets qui sont importants pour Meghan. Elle a toujours fait savoir et c'est ce pourquoi elle se bat. Et un bon début de carrière, un bon début de vie, vie épanouie pour une femme commence déjà par une indépendance financière, par un bon choix de carrière. Et tout passe bien sûr par la formation. En fait, c'est ce qu'ils ont voulu dire ici en montrant ces photos. Il faut dire que c'est dans un cadre bien précis. Hein. L'association a sorti ces photos-là pour fêter ses 3 ans d'existence, pardon, et aussi cette dernière année où elle a accueilli des membres internationaux, dont la duchesse Meghan Markle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.